Ah, il est magnifique là. Qu'est-ce qu'il faut pas? C'est du vieux four. Hein, c'est d'une simplicité le bonheur. La supracognitivité est un phénomène qui peut fasciner, mais est difficile à comprendre pour les personnes qui ne sont pas spécialistes. Et d'où le fait que c'est mal connu. Nous pensons que pour ces 100 ans, c'est l'occasion de faire connaître ce phénomène de manière plus large. Et c'est là où est née l'idée de faire un projet qui combine l'art et la supracognitivité. C'est vraiment une pulsation, ça peut être un cœur, ça peut être une étoile qui pulse. Ce grand cube avec cette légèreté, c'est assez impressionnant. Les phénomènes sont toujours les mêmes, mais du fait qu'ils sont plus visibles, le mystère est encore plus grand. Et la simplicité amène à renforcer le caractère de glissement des choses. C'est aussi un peu une piste par rapport à ce qu'on veut chercher, ou ce qu'on veut trouver surtout. Je verrais une petite pièce, simplement avec quelques tiges plantées, et on fait simplement un prototype pour se dire on part de là à là, avec simplement même le matériel que vous avez pour tester cette plaque. Parce que moi, il me faut une plaque, une feuille où je peux juste quand même planter des petites tiges. J'ai un petit échantillon là que je peux. Oui, on aurait cette partie-là épaisse. La pastille est refroidie et elle va se promener dans un circuit. Donc quand cette pastille circule dans cette forêt, automatiquement les mémoires forment comme ils sont sur des supports. Ils réagissent tout de suite. Ça c'est génial, d'accord. Je trouve ça extrêmement charmant de laisser un tout petit peu la pensée scientifique pour la remplacer par une pensée plutôt poétique et pour regarder ce qu'on peut faire pour changer un peu de point de vue. Je vous rappelle que changer le point de vue, pour un scientifique, c'est très essentiel. Beaucoup de découvertes ont été faites, justement, parce qu'on a pensé à autre chose, et peut-être on s'est mis dans un autre monde qui permettait un regard vu sous un autre angle qui vraiment nous a fait avancer. C'est rigolo là aussi, t'as vu? C'est quand ça mouille. Ouais, en fait, il y a un aimant là qui l'empêche de sortir. C'est pour ça que ça bique. Là, oui. Il faut vraiment qu'il soit en contact. Ouais, hein. Ouais. Autrement, c'est trop. Hop. Donc là, évidemment, il faut la petite impulsion quand même pour qu'il puisse prendre le virage. T'as vu, je l'ai fait effectivement à 90 degrés, très serré. Et c'est très beau, ça.
La matière, c'est quoi? C'est le fond des choses. La matière, pour moi, c'est que de la poussière d'étoiles. Tout est poussière d'étoiles. Nous, la matière, les supraconducteurs, tout vient du même coin. La rouille me paraît un élément extraordinaire parce que on travaille le fer et le fer, finalement, n'existe à l'état naturel qu'en oxyde. Et ce qu'il y a de très beau dans le matériau du fer, c'est que dès qu'on a fait l'objet, lui ne cherche qu'à une chose, c'est de redevenir poussière et oxyde. Dès qu'on lui laisse la paix avec l'oxygène, avec le temps qui passe. Donc c'est une histoire qui s'inscrit complètement dans mon aventure du temps, dans un domaine très large. Et puis, ici, dans une école de physique, on est dans les concepts, et le concept de la matière qui ne fait que transiter d'un état à un autre me paraît extrêmement intéressant et judicieux de mettre en scène comme élément esthétique, élément d'approche, parce qu'il faut bien une enveloppe. La sphère est belle parce qu'elle est l'espace, elle est notre système planétaire, elle représente quelque chose qui va plus loin, ailleurs. Et puis ce qu'on essaye avec ces supras, c'est d'aller ailleurs, d'arriver à des supras à température ambiante, etc. Donc il y a des rêves, et l'idée de la sphère est quand même toujours un rêve, hein, comme ça, qui passe. Cette sphère se promène, et en plus, cette sphère, elle peut avoir un mouvement qui est complètement aussi aléatoire par rapport à ce parcours, tourner sur elle-même, revenir, etc. Après, il y a une partie esthétique, ce fil conducteur, je trouve que c'est important d'avoir ça comme un élément présent. En plus, il y a un côté un peu fractal qu'on trouve dans le fil, qui est une arborescence comme l'arbre qui est source de vie, qui pousse, comme un cerveau qui est des ramifications qui va partout. Pour moi, cette pièce doit illustrer notre désir d'aller ailleurs, autant qu'humain, dans notre univers, quoi. Les dessous de l'œuvre d'Étienne, dans le boîtier noir. La boule, elle va léviter au-dessus du supraconducteur parce qu'il y a un aimant sous la boule. Ce qui permet le refroidissement, c'est ce système à côté, qui est un refroidisseur de type Stirling et qui actuellement est à la température affichée, -198 degrés. Et 2 mm en dessus, on est à température ambiante. Et dans ces 2 mm, il y a du vide. Et c'est ce vide qui fait l'isolation, qui permet d'avoir un écart de température de plus de 200 degrés sur une distance extrêmement courte. On est parti sur ce mouvement, en fait, qui est un mouvement pseudo-aléatoire, à l'aide de deux moteurs en courant continu, qui sont pilotés par une petite puce, en fait, qui donne chaque fois une impulsion aléatoire dans le temps. Et ce mouvement avec des fils d'acier nous permet de donner une certaine souplesse à tout le système. On a des supraconducteurs dans le système qui permettent d'avoir cette lévitation, mais ce n'est pas le seul endroit où on a des supraconducteurs dans cette sculpture. En fait, dans les nuages, là autour, on a toutes les extrémités, ces petits plumeaux, qui sont en fait des fils supraconducteurs tels qu'on les fabrique pour les utiliser dans l'industrie. Donc en fait, à l'origine, une des toutes premières fois qu'Étienne est venu à Genève,
il a vu un de ses fils comme ça qui était dénudé pour montrer comment il était fabriqué. Il a trouvé ça très beau. Puis maintenant, ben, ça aboutit de cette manière. Je trouvais intéressant que cette lévitation se passe sur du papier. Et surtout que le papier permet de justement être renforcé le caractère artistique et puis le caractère de fragilité comme ça. Et c'est vraiment des empreintes du fer et qui donnent dans l'imaginaire le paysage, le voyage. Quoi. Voilà, c'est bon. Une fois qu'on y est, c'est alors, Étienne, tu veux venir? Oui. Waouh! Waouh! Wow. Ouais, c'est beau, hein? C'est la première fois qu'on le voit comme ça. Ah, c'est génial. Super. Il y a quand même une masse de recherche et de travail qui est derrière ça, qui est caché derrière, qui est proportionnelle à la simplicité du projet. Ouais, mais c'est beau de voir cette planète bleue avec en haut ces nuages qui rappellent un peu la matière noire de l'univers. Donc on reste très concrètement dans l'espace depuis le début et je trouve qu'on jusqu'à la fin en fait on a ce sentiment vraiment un peu de grandeur, d'espace. L'œuvre d'art est probablement un premier mondial. Et je suis extrêmement content de ce qui a été fait et je remercie fortement à la fois Étienne comme les autres qui ont participé à cette réalisation pour cette œuvre qui est vraiment exceptionnelle.